Voilà, bonsoir à tous. Donc, en tout premier lieu, j'aimerais faire part d'une information terrible qu'on a reçue aujourd'hui. Malheureusement, une très grande dame nous a quittés dans de conditions terribles. Sarah Suzanne Selem, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois au séminaire. Suzanne Sarah Selem Bat Messaouda. Voilà, qui ce matin est parti faire ses courses et a été sauvagement écrasé par un camion à Natania. Voilà, en plus le jour de son anniversaire. Donc c'est pas anodin. Part de très grande tristesse. Et on embrasse ses enfants, sa famille, on les renforce. Mordechai, son mari, ses enfants Jérémy et Léa, qui donc qu'Hachem leur donne la force de passer cette terrible épreuve. C'était une très grande âme, Ezrat Hashem. On peut pas décrire à chaque fois le niveau des gens qui partent comme ça. Des gens aussi bien, aussi bons, on ne peut pas comprendre. Donc voilà, ce cours va être pour Lilou Nishmat, Sarah, Suzanne, Selem, Bat Messaouda, que Hachem l'accueille directement auprès de lui, au Gan Eden. Voilà, donc. Je suis désolé, je m'excuse encore une fois pour le dimanche soir, j'ai eu un empêchement personnel. J'ai pas pu tenir le cours sur les Tehillim, le Tehillim numéro 3. Donc, Bezrat Hashem, sans faute, ce dimanche, on reprend l'étude sur les Tehillim. Donc, dimanche soir à 21h, on reprend et ce dimanche, on étudiera le Tehillim numéro 3 sur le texte. Et on reprend comme d'habitude. Voilà, j'ai aussi décidé de faire le cours de la Parashas le mardi soir, non plus le mercredi soir, à la demande de beaucoup de personnes. Donc voilà, maintenant, à partir de maintenant, tous les mardis soirs à 21h, on se donne rendez-vous pour commenter la paracha. Et tous les dimanches soirs, on continue les Tehillim, Bezrat Hashem. Voilà, donc ce soir, on va essayer d'aborder le sujet le plus important, le plus essentiel, qui nous concerne depuis des années, des dizaines d'années en Israël. C'est le sujet du conflit israélo-palestinien. Et on va voir et on va essayer d'étudier l'avis de la Torah et la vision de la Torah sur le sujet. C'est un sujet tellement complexe, où il y a tellement de problèmes et on n'arrive pas à le solutionner. Et en fait, il faut comprendre que la seule solution possible, elle est dans la Torah. Parce que la Torah, c'est le modèle essentiel. Ah, vous entendez? Vous entendez pas? Attendez, je rapproche un peu alors. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Donc, je reprends. La Torah est le modèle essentiel de l'humanité. C'est par la Torah que le monde a été créé. C'est la Torah, c'est le plan, comme il est écrit, Veistakla beoraita bara alma. Dieu, il a regardé la Torah et il a créé le monde. Donc ça veut dire que dans la Torah se trouvent toutes les solutions à tous les problèmes de la vie. Ce n'est pas que des solutions au niveau religieux et à des questions religieuses. Surtout, la Torah apporte des solutions politiques, apporte des solutions économiques, apporte des solutions juridiques pour essayer de solutionner les problèmes de la vie. C'est ça la Géoula. Quand on parle de Géoula, c'est d'essayer d'analyser avec les bonnes clés d'étude, d'essayer d'étudier dans la Torah et de comprendre où est-ce que se cachent dans la Torah les solutions à nos problèmes. Donc on va voir que dans la paracha, on parle directement du problème du conflit israélo-palestinien, bien sûr. Il faut avoir les clés pour le décoder. Donc Bezrat Hashem, ce soir, on va l'étudier. Donc on est à la fin de la paracha de Vayera. Donc on est au chapitre 22, verset 1. Et c'est le verset, le passouk, qui parle de la Akedat Yitzhak. Donc à la fin de la paracha, Dieu demande à Avraham d'aller sacrifier son fils Yitzhak. Et il y a écrit comme ça. Vayehi achar hadvarim haeleh, voici que ce fut après ces choses-là. Ve'elokim nissa et Avraham, et Dieu décida d'éprouver Avraham. Vayomer elav, et il lui dit, Kachna et bincha, prends ton fils, va ve'lech lecha el eretz Moria, va vers la terre de Moria, là où il y a le Bet Amigdash, ve'aleusham le'ola. Bref, tout le passage de la Kedessa qu'on lit tous les matins à la Tfila, le passage où Dieu demande à Avraham de sacrifier son fils Yitzhak. Maintenant, on peut se poser une question fondamentale. C'est vrai, une question que tout être humain peut se poser. Comment ça se fait que Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Yitzhak? C'est de la pure folie. C'est un non-sens. Je rappelle que dans la même paracha, un peu plus haut, Dieu a fait un miracle surnaturel pour donner Yitzhak
Abraham et Sarah. Je rappelle que Sarah était stérile. Elle, jusqu'à l'âge de 90 ans, elle n'a pas pu enfanter. Elle était stérile. Et Abraham et Sarah n'y croyaient plus. Et Dieu a dû aller contre toute la nature. Il a dû faire un miracle surnaturel pour donner à Sarah la possibilité d'enfanter et de faire naître Yitzhak. Et à tel point que c'était incroyable, que c'était pas possible, que Sarah l'a rigolé, Yitzhak Sarah Bekerba, elle a rigolé, d'où le nom Yitzhak qui veut dire rire, parce qu'elle a rigolé, elle ne croyait pas. Elle s'est moquée quelque part un petit peu de Abraham et d'Hachem quand il disait tu vas avoir un enfant, ils n'y croyaient pas. Bref, donc on peut se poser la question, qu'est-ce qui lui arrive à Hachem? Il est schizophrène, il est sadique, je veux dire. 2 minutes avant, il fait un miracle surnaturel pour donner Yitzhak à Avram et Sarah. Et il dit même, Be Yitzhak Ikare le Chazara, c'est dans Yitzhak que va passer ta descendance. Toute la promesse du peuple élu, du peuple de juifs, du peuple d'Israël sur la terre d'Israël va passer par Yitzhak et non par Ishmaël. Donc il est en train de dire à Avram, tout le projet va passer par Yitzhak. Et 2 minutes après, il lui dit, va sacrifier ton fils. Non mais c'est de la folie. Il y a forcément quelque chose de plus profond. Et donc, Baruch HaShem, on a des commentateurs pour essayer d'expliquer, parce que, bon, tout ce qu'on peut expliquer, c'était une épreuve, c'était de la Emouna, une épreuve d'Emouna, etc., etc. Ça, c'est le pshat. C'est-à-dire, oui, c'était bien sûr qu'Avraham, il a tenu dans la Emouna, mais la question se pose en amont. Pourquoi Dieu lui demande une telle épreuve? Quel Dieu peut demander à un père de sacrifier son fils, son propre fils? C'est cela un Dieu, c'est ça véritablement un bon Dieu? Demander de sacrifier, d'égorger son fils, c'était les pratiques idolâtres. C'était pas, la Torah n'a jamais demandé de sacrifier des enfants ou des êtres humains, Chas v'shalom. Qu'est-ce qui lui arrive à Dieu? Donc on va voir, je prends le commentaire du Rashbam. Donc le Rashbam, donc, qui est un des plus grands commentateurs de la Torah, un petit peu pas tellement étudié, un peu en second plan, mais qui apporte des éclaircissements extraordinaires que j'invite à étudier. Parce que les premiers commentateurs, c'est bien sûr Rashi, le Ramban, etc. Mais le Rashbam apporte aussi des commentaires extraordinaires. Et le Rashbam, il dit comme ça. Vayehi achar advarim ha'ele. Voici que ce fut après ces choses-là. On a vu que le texte de la Akedat Yitzhak, du sacrifice d'Yitzhak, commence par l'expression voici que ce fut après ces choses-là, ces événements-là. Alors, le Rashbam nous dit tout de suite Kol makom sheneemar achar advarim ha'ele. Dans chaque endroit où il est écrit l'expression voici que ce fut après ces choses-là, Mechoba el aparacha chez les malins. C'est en lien directement avec ce qui s'est passé juste avant. Puisqu'on dit voici que ce fut après ces choses-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé avant? Quel est le lien entre la Akedat Yitzhak et ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui s'est passé juste avant la Akedat Yitzhak, selon le texte? Donc on est juste avant. Qu'est-ce qui se passe? Abraham, qui a donc va vers la terre des Philistins, il va habiter 26 ans en terre des Philistins, donc c'était la bande de Gaza actuelle. Là-bas, il y avait le roi des Philistins qui s'appelait Avimelech. Et il a vécu 26 ans sous la souveraineté d'Avimelech. Et il a même contracté une alliance, une brite, une alliance diplomatique avec Avimelech. Et en signe de cette alliance diplomatique qu'il va faire avec Avimelech, il va lui donner 7 béliers en signe de cette alliance. Ça, c'est ce qui est raconté juste avant la Akedat Yitzhak. Apparemment, il n'y a aucun lien. Bon, très bien. Avram a fait une alliance avec Avimelech, etc. Bon, une alliance diplomatique, c'est tout à fait normal. Dans la vie, en politique, eh bien, on doit faire des alliances diplomatiques pour essayer d'avoir des alliés, pour essayer de survivre. Ça fait partie du jeu de la politique, les alliances diplomatiques. Et donc, Avram fait une alliance diplomatique avec le roi des Philistins pour, voilà, développer la politique. Qu'est-ce que dit le Rashbam? Achar advarim ha'ele, shekarat Avraham brit le'Avimelech. Après que Avraham il a contracté cette alliance avec Avimelech, lo ulnino ulnerdo shel Avraham, entre ses enfants, ses petits-enfants, toute sa descendance, vet natan lo shevak vatzot atzon, et que Avraham il a donné 7 béliers en signe de cette alliance avec Avimelech. Et regardez ici. Et Dieu s'est mis en colère terrible contre cette alliance. Ici, on a la source, mes amis, officielle dans la Torah. Je vous ai amené la source officielle que, du point de vue de la Torah et du point de vue de Dieu, du point de vue d'Hachem,
C'est interdit, mais strictement interdit, de contracter une alliance diplomatique avec un habitant de la terre d'Israël. Je continue. Shaare Eret Plishtim Nitan le Avraham. Parce que la terre des Philistins a été donnée à Avraham selon la promesse que Dieu il a fait à Avraham. Il a dit, je vais te donner la terre d'Israël en signe d'alliance que j'ai fait avec toi. Ve'eret Plishtim Bichlal Gvoul Israël. Or, la terre des Philistins qui habitait Gaza fait partie intégrante de la terre d'Israël, des frontières de la terre d'Israël que moi je t'ai promise. Moi, Dieu, je t'ai promis la terre d'Israël, et toi, tu te permets de signer une alliance diplomatique avec un habitant de la terre. Donc, en gros, tu es en train de le laisser vivre et de le laisser être souverain sur une partie de la terre d'Israël que je t'ai donnée. Donc, tu vas contre ma promesse. Tu vas contre mon commandement. C'est moi qui t'ai donné la terre, ne l'oublie pas. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Hachem s'est mis en colère. Ve'akadosh baruch hu tziva aleihem. Or, Dieu, il avait ordonné sur la terre d'Israël, lo techaye kol neshama. C'est un ordre divin qui est rapporté dans la paracha de Shoftim, dans le Sefer Devarim, donc dans le chapitre 20, verset 16. Chapitre 20, verset 16, dans le livre de Devarim, il est écrit Rak me are ami maele. Tous les peuples qui habitent la terre d'Israël avant que tu n'y arrives, avant que le peuple juif arrive en terre d'Israël pour conquérir la terre d'Israël, il y a des peuples qui habitent. À l'époque, c'était les Cananéens, les Amoréens, les sept peuples. Aujourd'hui, c'était les Arabes. Tous les peuples qui habitent la terre d'Israël avant que tu arrives pour la conquérir, Asher Adonai Elohecha noten lecha nachala, et que c'est Dieu, l'Éternel, ton Dieu, qui t'a donné cette terre en héritage. Lo techaye kol neshama, tu ne feras vivre aucune âme. Alors bien sûr, on va interpréter ce que ça veut dire. Lo techaye kol neshama, c'est un ordre divin de ne pas laisser vivre le peuple qui habitait la terre avant que tu n'y arrives. Alors attention, ça ne veut pas dire que maintenant on doit tous les exterminer, qu'on est des racistes et qu'on est des nazis, chas v'shalom. Bien sûr, on a Rashi pour nous expliquer. Les Ma'an, Asher, Yilo, Yelamdu, Ha'im, Asu, Tshuva, Ve'etgayru, Ata, Rashai, Les Kablam. La seule condition pour que tu les laisses vivre parmi toi, qu'il y ait un vivre ensemble possible entre les peuples qui habitent la terre d'Israël et le peuple juif, Im, Asu, Tshuva, s'ils ont fait Tshuva. Ve'itgaeru, atarasha les kablam, et qui se sont convertis, on va expliquer ce que ça veut dire bien évidemment, tu es autorisé à les recevoir. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé ici? Abraham, il a failli. Abraham, il a fait une faute terrible. Il a signé un accord diplomatique avec le peuple qui habitait la terre d'Israël. À l'époque, c'était les Philistins, qui étaient dirigés par Avimelech. Et le fait qu'il ait signé cet accord, Dieu s'est mis en colère, et vous allez voir, ça va très loin. Quelle est la punition sur cette faute? À tel point elle est terrible cette faute aux yeux de Dieu. Même si c'est Avraham qui l'a fait, vous imaginez, on parle du plus grand sadique de tous les temps avec Moshe Rabbeinu. Même si c'est le plus grand sadique de tous les temps, ça reste une très grande faute. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la punition? Nidgaïta baben shenatati lecha. Tu t'es enorgueilli du fils que je t'ai donné. Likrod brit benechem uvet benehem. Pour contracter une alliance entre toi et eux. Quel rapport? Ve'ata lecha ve'aleu le'ola. Et donc maintenant, va sacrifier ton fils. C'est une punition. Le fait que Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier Yitzhak, c'est une punition en signe de l'alliance qu'il a contractée avec Avimelech, le roi des Philistins. On va expliquer tout de suite. Et tu vas voir quelle est la valeur de l'alliance que tu as signée. Tu crois que cette alliance diplomatique, elle va t'aider? Tu vas voir. Donc on voit qu'Hachem est très en colère sur cette alliance que Avimelech a signée, que Avraham a signée. Mais quel est le problème? Pourquoi je lui dis, va sacrifier ton fils? Quel est le rapport avec Yitzhak? Tu t'es enorgueilli du fils que je t'ai donné pour signer cette alliance. Quel rapport? Eh bien c'est très simple mes amis. C'est qu'en vérité ici c'est le plus grand test de Emouna, de foi en Dieu. Dès qu'on arrive en terre d'Israël, il y a un grand danger. C'est la guerre qu'il va y avoir avec les habitants et le conflit qu'il va y avoir avec les habitants qui habitent la terre d'Israël. C'est un très grand danger. Or, Abraham avait un tel niveau de foi qu'il était prêt à mourir lui-même pour Dieu, comme on l'a vu plusieurs fois. Il s'est jeté dans le feu dans Our Kasdim contre Nimrod. Il était prêt à mourir. Mais comme tout être humain, quand il est devenu papa, quand il a eu un enfant,
d'un seul coup, sa foi, sa émouna est encore plus éprouvée. Parce que nous-mêmes, on est prêts à mourir pour notre idéal. Mais notre enfant, on devient tout de suite protecteur. On veut le protéger, notre fils. Et là, la émouna, elle est éprouvée encore beaucoup, d'un niveau beaucoup plus élevé. Est-ce que tu as la émouna, même quand c'est ton fils, ton propre fils qui est en danger? Et là, Abraham, il n'a pas supporté. Il a eu quelque part une petite baisse. Et il a voulu protéger son fils. Et il s'est dit, il y a un danger maintenant des Philistins, c'est un danger, ils veulent nous tuer. Si c'était que moi, je m'en fous. Mais maintenant, c'est mon fils qui est en danger. Et donc, il a perdu un petit peu la raison. Et il a été faire une alliance avec Avimelech. Et donc, ici, le Rashbam nous révèle que la Kavana profonde, pourquoi Abraham il a été contracté cette alliance, c'était pour protéger, par amour pour son fils, pour le protéger. Mais Dieu lui dit, oh, tu as oublié qui c'est ton vrai protecteur. Tu crois que c'est cette alliance diplomatique qui va te protéger? Tu crois que c'est cette alliance diplomatique qui va t'assurer une certaine forme de sécurité? Tu te trompes complètement, ça va se retourner contre toi. Tu vas voir que ça va se retourner contre toi. Et qu'est-ce qu'il dit, le Rashbam? Il continue, il conclut comme ça. Et Chevak Zvatsot Tatson, les sept béliers que tu as donnés en signe d'alliance. Je jure devant le ciel, ça c'est Dieu qui parle, qu'à cause de ces sept béliers que tu as donné en signe de cette alliance et que tu as cru que cette alliance elle allait te protéger et protéger ton fils, eh bien ces enfants à Avimelech, c'est-à-dire les Philistins, ils vont faire sept guerres contre tes enfants et ils vont gagner. Davar acher, chayecha shebanav orgim sheva tzadikim ibanecha. Autre chose, je jure que les Philistins vont arriver à tuer sept de tes enfants tzadikim. Qui c'est? Shimshon, Samson qui a été tué par les Philistins, Hophni, Pinchas, Shaoul, le roi Shaoul, Veshlosha Banav et les trois fils de Shaoul, dont Yehonatan. Ces sept tzadikim ont été tués de la main des Philistins à cause des sept béliers que Avram il a donné en signe d'alliance à Avimelech. Davar acher, chayecha shebanav machivim sheva mishkanot. Je jure devant le ciel que ces sept moutons que tu as donnés en signe d'alliance, ça va causer la destruction de sept Mishkan, sept temples juifs. Velouen, Oel Moed, Gilgal, Nov, Shiloh, Givron, Ubet Olamim Teren et les deux temples, les deux Beth Amidash, les sept ont été détruits à cause des sept moutons que Avraham a donnés en signe d'alliance à Avimelech. Davar acher et dernière chose, chez Aaron Marzer Bezea Plishim Shiva Chodashim, que le Aaron à Kodesh, qui est dans le Saint des Saints, qui se trouvait dans le Saint des Saints, là où il y avait les Luchot Abrit, les tables de la loi, des dix commandements que Moshe Rabbeinu avait ramenés, ils vont passer, les Philistins vont réussir à mettre la main dessus pendant 7 mois, à cause des 7 moutons que tu as donné en signe d'alliance aux Philistins. Pendant 7 mois, les Philistins vont mettre la main dessus et ils vont détruire ton arche sainte. Donc voyez à quel point Dieu il est en colère. Tu crois que quand tu fais l'alliance diplomatique, ça, tu vas te protéger. Tu crois que quand tu vas signer les accords d'Oslo, quand tu crois que tu vas signer les accords de Camp David, quand tu crois que tu vas signer les accords diplomatiques avec tes voisins, tu crois que ça va te protéger. Tu crois que c'est ces accords diplomatiques qui vont te protéger. Dieu, il renverse la situation. Si tu crois que c'est ces accords-là et ça ne change rien, même si c'est Avraham Avinu, parce que comme on le sait, les accords d'Oslo ont été permis par un des grands partis religieux, avec un des plus grands tzadiks à leur tête, qui a signé les accords d'Oslo. Mais c'était par amour. Avraham, il voulait protéger son fils. Mais cet amour-là, parfois, il fait perdre la raison. Tu oublies que c'est Dieu ton vrai protecteur. Et donc, ça se retourne contre toi. Les accords d'Oslo, ils ont quintuplé les attentats. Quintuplé les attentats. Mais alors, bien sûr, c'est une bonne intention. On veut être tranquille à Tel Aviv, on veut être tranquille à Ranana, on veut être tranquille à Herzliya. On veut s'assurer une certaine forme de sécurité, une certaine forme de paix. Mais en vérité, on n'a pas compris le vrai projet, que c'est Hachem qui nous a donné cette terre. Et donc, il n'y a aucune alliance diplomatique possible et c'est interdit. Et au contraire, c'est une très grande faute. Et ici, je vous ai rapporté la source officielle. Maintenant, c'est quoi le problème de fond? Parce que pour comprendre la solution de fond au conflit israélo-palestinien, il faut comprendre le problème de fond. Quelle est la racine du problème ici? Quelle est la racine du conflit entre les Palestiniens et nous? Plutôt les Arabes et nous? Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle nous a dit ici?
on nous rappelle que Dieu, qu'est-ce qu'il avait ordonné à Abraham ? Lo techaye kol neshama. Et tu ne pourras pas avoir de vivre ensemble avec eux. Il faudra que tu les chasses de la terre. Maintenant, la seule condition pour laquelle ils peuvent vivre, donc il n'y aura pas de conflit, c'est s'ils font teshuva. Ça veut dire quoi qu'ils fassent teshuva ? La Gemara nous explique qu'il y a deux types de teshuva chez un non-juif. Soit il se convertit, mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, dans la Torah, on n'a jamais été prosélytes. On ne veut pas convertir les non-juifs au judaïsme, au contraire. Nous, on respecte la différence. On n'est pas impérialiste et prosélyte. On ne veut pas convertir tout le monde. On n'a jamais fait de guerre de conversion. Au contraire, les non-juifs, ils ont un rôle à jouer en tant que non-juifs. Et ils ont une place importante à jouer en tant que non-juifs. Et il n'y a aucune raison qu'ils deviennent juifs. Soyez des bons non-juifs. Ça peut être encore même plus grand que des bons juifs. Donc, la vraie teshuva d'un non-juif, c'est quoi ? Nous dit, c'était d'abandonner à l'époque l'idolâtrie. Comme on le sait, les sept peuples avaient des pratiques idolâtres. Et donc, le fond du problème qu'on avait avec ces peuples-là, c'était pas les peuples en soi. La Torah, quand elle dit « chasse les Cananéens, chasse les Amoréens », elle n'est pas raciste, c'est pas les Cananéens eux-mêmes le problème. C'est pas les peuples eux-mêmes, les peuples ont été créés par Dieu. Le problème, c'est leur croyance religieuse. Le problème, c'est leur croyance idolâtre qui, forcément, va les amener à un conflit idéologique avec le peuple juif. Puisque le peuple juif était le peuple monothéiste, le peuple qui a combattu l'idolâtrie, le peuple qui voulait dévoiler le monothéisme et la parole de Dieu dans le monde. Donc forcément, il va y avoir un conflit idéologique entre ces peuples qui étaient idolâtres. Et donc leur croyance religieuse qui était ancrée en eux les obscurcissait, les rendait fous. Et donc il n'y avait pas de vivre ensemble possible. Il fallait les chasser. La seule condition, c'était qu'ils étaient prêts à abandonner leurs croyances religieuses. Donc la Torah ici est en train de nous donner une clé fondamentale quand on sait l'étudier. La Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. Tout ça, ce que je vous raconte, on va l'actualiser. C'est la solution au conflit israélo-palestinien. La Torah nous présente le problème de fond du conflit qu'on a avec le peuple qui habite ici. Le fond du problème, c'est les croyances religieuses. Ça veut dire que la Torah est en train de nous dire ici quelque chose de fondamental. Le conflit israélo-palestinien n'a jamais été et ne sera jamais un conflit territorial. Jamais. Depuis 100 ans, depuis 1917 et la déclaration de Balfour, aucun politique israélien n'a encore déclaré officiellement et n'a encore perçu officiellement la racine du problème ici qu'on a, c'est-à-dire la religion. C'est un conflit religieux. Le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit territorial. Ce n'est pas pour la terre qu'on se bat. Ce n'est pas pour Gaza. Ce n'est pas pour Haïfa. Ce n'est pas pour Jérusalem. Tout ça, ce ne sont que des prétextes. Le fond du problème, il est religieux et on va expliquer. Déjà, on va amener des preuves historiques comme quoi ce n'est pas un conflit territorial. En 1923, les Arabes ont reçu 80% de la Palestine mandataire par les Anglais. Toute la Jordanie actuelle, c'est-à-dire tout l'est du Jourdain, qui est 75%, 80% de la Palestine mandataire britannique. Et donc, en 1923, ils ont reçu la grande majorité du territoire. Et pourtant, ils ont continué les attentats. En 1929, il y a eu le massacre à Hebron, des Arabes qui ont massacré des centaines de Juifs. Mais je ne comprends pas. Ils ont reçu 80% de la Palestine britannique. Qu'est-ce qu'ils veulent maintenant ? Ils ont eu un État. L'État de Palestine existe déjà. De quoi on parle aujourd'hui quand on parle de solution à deux États ? Quand on dit que les Palestiniens veulent un État, mais ils en ont déjà un. La Transjordanie, la Jordanie actuelle, qui était la Transjordanie à l'époque, a été créée en 1923 par la SDN, la Société des Nations, qui était l'ONU de l'époque, sous l'égide de l'Empire britannique. Et ils ont reçu la Jordanie, c'est l'État palestinien. Donc de quoi on parle quand on parle de deux États aujourd'hui ? C'est un mensonge, vous comprenez ? Ils ne veulent pas un État. Et ce n'est pas tout. On a rendu le Mont du Temple en 67, on a rendu le Mont du Temple à la Jordanie. On a rendu la Judée-Samarie, on a rendu le Sinaï, on a rendu Gaza en 2005. En 2005, on a rendu Gaza, on a dit ça y est, ça va amener la paix, mais on est complètement fous. Dans notre naïveté la plus absolue, on croit que quand on va leur donner une terre, ça va amener la paix. Mais parce qu'on est complètement dérangé.
On n'a pas étudié la Torah. La Torah nous a dit, attention, ce n'est pas un conflit territorial. Détrompe-toi. Tu vas leur donner 10 terres, tu vas leur donner 50 états. Ça ne va rien changer au problème. C'est une solution qui ne convient pas au problème. Le problème, c'est le problème de fond, ce sont des questions religieuses. Mes amis, je vous pose des questions toutes simples. Pourquoi, au mont du Temple, qui est donc sous souveraineté jordanienne aujourd'hui, on peut laisser un juif monter, un juif a le droit de monter, mais attention, Khalila Vechaz, qu'ils disent un mot de prière. Pourquoi les Arabes interdisent aux juifs de prier? On n'a pas droit, comme on l'a vu dimanche, on est monté au mont du Temple, on n'a pas droit à un seul signe religieux. Tu n'as pas droit de te prosterner, tu n'as pas droit d'embrasser des pierres, tu n'as pas droit de bouger les lèvres, tu n'as pas droit de dire Shema Israël. Ce qui les dérange, c'est notre religion. Ce n'est pas notre peuple en tant que tel. Le juif, ils n'ont pas de problème. Regardez, on peut monter au mont du Temple, venez, comme des touristes, venez visiter le mont du Temple. Par contre, si on a un signe religieux qu'on dit Shema Israël, là, c'est la guerre atomique. Je vous pose une autre question. Pourquoi un musulman français, un musulman australien, pourquoi Erdogan, qui est un musulman turc, se sent concerné par ce conflit? Quel rapport avec les Palestiniens? Arafat, il était égyptien, il est venu d'Égypte. Ahmed Tibi, qui est parlementaire actuel, il est tunisien. Donc, quel est le rapport? Si c'est un conflit territorial qui concerne directement les Palestiniens et le peuple qui habitait ici, mais quel rapport? Alors pourquoi les musulmans du monde entier se sont concernés par ce conflit? Vous ne vous posez pas la question? Tout simplement parce que c'est un conflit religieux. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On explique c'est quoi le fond du problème. Le fond du problème, il est comme ça. Il faut repartir au départ, à la base. Dans quel contexte sont nés l'islam, le christianisme aussi, et l'islam? Dans quel contexte historique sont nées ces religions? Eh bien, tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple juif était sur sa terre. Il y avait le deuxième temple à l'époque, donc il y a de cela 2000 ans. Le peuple était souverain sur sa terre. Et tant que le peuple juif habitait sa terre, il n'y avait pas d'autre religion. Vous avez remarqué que historiquement, le christianisme et l'islam sont nés après qu'on soit parti en diaspora, en exil. Tant qu'on était sur notre terre, il n'y avait pas de christianisme ni d'islam. À partir du moment où on a été détruit, notre souveraineté a été détruite sur la terre d'Israël, le Beth Amidash a été détruit, on a été exilé, alors sont nés le christianisme et l'islam. Pourquoi? Quel est le principe fondateur de ces deux religions? Le principe fondateur, c'est ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance. Voilà, le christianisme s'est appelé le Nouvel Israël, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le nouveau prophète qui est venu, Jésus pour les chrétiens, qui est venu rapporter la Nouvelle Alliance, et pour les Arabes, et les musulmans, c'est Mahomet. Mais qu'est-ce qui justifie et qu'est-ce qui donne la légitimité à ce concept de la Nouvelle Alliance? Comment ça se fait que Dieu, il aurait contracté une alliance, puis il l'aurait déchirée? Parce qu'ils reconnaissent l'alliance de Moïse. Ils disent, Moïse, c'est un prophète. Ils reconnaissent que Dieu a parlé à Moïse au mont Sinaï. Ils reconnaissent que Moïse a donné les tables de la loi et que le peuple juif a été le peuple de Dieu à un moment donné dans l'histoire. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'à cause du peuple juif qui a péché, à cause de ses péchés, Dieu les a abandonnés. Ils ont donc été chassés de leur terre. Le symbole absolu que Dieu les a abandonnés, qu'il a déchiré l'alliance avec le peuple juif, c'est qu'ils ont été chassés de leur terre. Et donc la diaspora juive, c'est ce qui donne directement la légitimité de la Nouvelle Alliance. Vous avez compris maintenant? Pourquoi ils peuvent dire qu'il y a une Nouvelle Alliance, qu'il y a un nouveau prophète qui est envoyé par Dieu? C'est ça leur mensonge, Jésus, Mahomet. Leur mensonge de dire qu'il y a une Nouvelle Alliance possible, c'était la diaspora juive. Le fait que le juif a été chassé de sa terre, pour eux, c'est la preuve fondamentale que Dieu avait décidé d'abandonner son peuple pour contracter une nouvelle alliance. Maintenant, vous allez comprendre le fond de la racine du problème du conflit israélo-palestinien. C'est un problème fondamental religieux. Un juif qui revient sur sa terre, pour eux, c'est une remise en question totale de toute leur foi, de toute leur religion. Parce qu'un juif qui revient sur sa terre, vous et moi aujourd'hui, un juif qui est sur sa terre,
Ça veut dire tout simplement que toute leur religion est fausse, basée sur des mensonges. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. Dieu n'a jamais abandonné son peuple. La diaspora n'était qu'une étape transitoire de l'histoire juive. Il fallait passer par la diaspora CV pour nettoyer certaines choses. Il y avait un processus à cause de certaines fautes, effectivement, que le peuple juif a fait, comme on dit dans nos prières. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu a décidé de se détacher du peuple et de casser l'alliance qu'il avait fait avec Avraham Avinu. La bride qu'il a fait avec Avraham et avec Moshe, elle est éternelle. La diaspora n'a été qu'une période transitoire. Et aujourd'hui, selon toutes les prophéties que les prophètes ont prophétisées, que le retour du peuple juif à Sion, la diaspora aujourd'hui est finie et le juif revient. Et donc ça dérange le musulman et le chrétien dans leur essence, dans leur foi religieuse la plus absolue. Le principe de la nouvelle alliance qui était basé sur le juif de diaspora. Tant que le juif habitait la diaspora, c'était un bon juif. On l'aimait le juif du Maroc. On l'aimait le juif d'Espagne. On l'aimait le juif de Pologne. On l'aimait le juif des États-Unis. On l'aime le juif de France. On les aime ces juifs de diaspora. Ils ne nous dérangent pas. Ils sont des bons juifs de diaspora. Ils confirment notre théorie de la nouvelle alliance. Dieu les a abandonnés. Ils vont se perdre en diaspora. Ils vont s'assimiler. Il n'y aura plus de juifs. L'identité juive va disparaître. Et maintenant, un juif qui revient sur sa terre, vous comprenez le problème de fond. Pourquoi un musulman français se sent directement concerné? Pourquoi Erdogan, un musulman turc, se sent directement concerné? Parce qu'un juif sur sa terre vient remettre directement en question toute leur foi. Et c'est pour ça qu'au moment du temple, ils ne laisseront jamais un juif prier. Et ils se battront jusqu'à la mort pour conserver la mosquée de Jérusalem. Et je ne comprends pas. Il n'y a jamais écrit Jérusalem dans le Coran. Ce n'est même pas une ville sainte pour eux. Eux, ils ont la Mecque, les chrétiens, ils ont le Vatican. Quel rapport Jérusalem? C'est même pas mentionné une seule fois dans le Coran. Pourquoi ils sont prêts à mourir pour conserver la mosquée du Mont du Temple à Al-Aqsa? Pourquoi? Mais c'est très simple à comprendre. Parce que la mosquée Al-Aqsa est la mosquée qui donne la légitimité à toutes les autres mosquées. Toutes les mosquées du monde sont légitimisées par cette mosquée. Parce que imaginez, si demain le peuple juif détruit cette mosquée et que le temple est détruit, ça veut dire que toute leur religion est fausse. Puisque Hachem, ça voudrait dire qu'il n'a jamais contracté de nouvelle alliance. Et donc Mahomet, c'est un menteur. Il n'est jamais venu au nom de Dieu, c'est un faux prophète. Et Jésus, pareil, ce sont des faux prophètes. Dieu ne leur a jamais parlé. Jamais. Tout ce principe de la nouvelle alliance est complètement faussé. Et donc ils sont prêts à mourir pour maintenir cette mosquée. Parce que c'est la mosquée qui va justifier et légitimiser toutes les autres mosquées du monde. Et donc le fond du conflit ici, il est religieux. Il est religieux. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'il n'y a aucun, mais aucun politique israélien, même le plus à droite, qui assume ce fait. Ce fait qu'il assume politiquement et qu'il le dise, qu'il le reconnaisse, c'est un conflit religieux. Parce que même dans la droite aujourd'hui, on parle de solution à deux États. Mais si les deux États étaient une solution, ça voudrait dire que le conflit est territorial et que chacun aurait son État et tout le monde serait content. Mais on voit que ça n'apportera jamais la solution. Au contraire, ça renforce la guerre. Ça renforce la guerre. À chaque fois qu'on cède une terre, ça renforce la guerre. Ce n'est pas la solution pour la paix. Ce sont des solutions vitrines. Ce sont des solutions mensongères. Ce ne sont pas des solutions, ce sont des destructions. La solution à deux États, il faut l'appeler la destruction à deux États. À chaque fois qu'on cède un petit peu la terre, on renforce leur nationalisme, on renforce leur idéologie religieuse. Donc c'est ça le problème de fond qu'on a aujourd'hui. Alors maintenant vous allez me dire, mais quelle est la solution pour la paix alors? Quelle est la solution? Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Eh bien maintenant qu'on a compris le problème de fond, que chaque musulman dans le monde, dans sa foi la plus essentiels se sont concernés par ce conflit parce que c'est directement un conflit entre qui représente Dieu sur terre, qui a la voix de Dieu sur terre, quelle est la religion la vraie. C'est ça le conflit. Quelle est la vraie religion? C'est tout. C'est ça le vrai conflit. Ce sont les musulmans, c'est un conflit judéo-musulman. C'est pas un conflit israélo-palestinien. Rien que quand on l'appelle conflit israélo-palestinien, c'est déjà un mensonge dans les termes mêmes. Parce que si on dit que c'est un conflit israélo-palestinien, ça veut dire que c'est un conflit territorial, parce que c'est les Israéliens contre les Palestiniens. Mais c'est faux, c'est faux, c'est faux.
C'est un conflit religieux et donc c'est un conflit judéo-musulman. Ce sont les juifs contre les musulmans, directement. Directement. Même le musulman le plus modéré, il a, dans sa foi la plus absolue, quand on lit le Coran, il est déjà dans l'idée de remplacer le peuple juif. Il y a déjà une idée de remplacer ce principe de la nouvelle alliance. Le juif a fauté. Quand une femme porte un voile, elle est directement en train de dire « Tu es un juif fauteur et Dieu t'a abandonné. » Parce que moi, j'ai une nouvelle religion qui t'a remplacé. Donc, on a bien compris, le problème, ce ne sont pas les Arabes. Nous, on n'est pas racistes. Les Arabes peuvent être des personnes très bonnes. Les Arabes peuvent être des personnes extraordinaires. Et la Torah n'est pas raciste. Et nous, on n'est pas des hommes racistes. Nous, on aime tous les peuples que Dieu a créés. Simplement, le problème, ce ne sont pas les Arabes. Le problème, c'est leur religion dans laquelle ils sont tombés, mensongère. Religion qui les a idéologisés dans une idée de conquête, d'impérialisme, de djihad, de massacrer les infidèles, de combattre le juif qui est un impie, etc. Pourquoi ? Parce que dès le biberon, ils ont été éduqués dans cette religion. Et donc les peuples arabes eux-mêmes souffrent et sont embrigadés par l'islam et par l'islamisme radical. Les peuples arabes eux-mêmes. Alors, quelle est la solution, mes amis ? Quelle est la solution ? Eh bien, c'est très simple. La seule et unique solution politique à ce conflit qui dure depuis 100 ans et qui va durer tant qu'on n'aura pas dit cette solution, c'est le grand Israël. Le grand Israël, quand on va étendre les territoires, c'est ça la seule et unique solution pour la paix. Il n'y en a pas d'autre. Le grand Israël est la seule et unique solution pour la paix au Moyen-Orient. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que le grand Israël, ça signifie la tombée de l'islamisme radical. Quand on laisse un territoire, quand on a laissé Gaza en 2005, qu'est-ce qui s'y est développé ? Le Hamas qui a pris le pouvoir, et donc on a laissé la place à la dictature islamique, on a laissé la place à l'extrémisme islamique, qui va donc prendre le pouvoir sur le territoire, et qui va embrigader les peuples. Regardez les enfants, même comment ils sont embrigadés avec les trucs, les armes, les bandeaux. Et ils vont les éduquer à la haine du juif. Parce que ce n'est pas les Israéliens leur problème, encore une fois, c'est les juifs. Comme ils disent « Adbah Yaoud », ils disent « Mort aux juifs, égorgeons les juifs ». Ils ne disent pas « Égorgeons les Israéliens ». Si c'était un conflit territorial, ils diraient « Égorgeons les Israéliens ». Mais ils disent « Égorgeons les juifs ». Donc c'est un conflit religieux et ils éduquent leurs enfants à cette haine religieuse. Donc, comprenez ? Donc, quand on laisse Gaza sous la souveraineté du Hamas, eh bien, on laisse l'islamisme radical se développer et gangréner tout le territoire. Donc, la seule et unique solution, c'est de récupérer ce territoire, de détruire sans pitié ces pouvoirs islamiques radicaux que sont le Hamas, que sont le Fatah, que sont le Hezbollah, qui manipulent leur propre peuple. C'est ça que je veux vous dire. C'est les Arabes eux-mêmes souffrent de ça, ils sont complètement manipulés, complètement embrigadés, ils n'arrivent plus à se développer. Nulle part ils ont su développer, nulle part ils ont su se civiliser, nulle part ils ont su développer une économie forte, nulle part ils ont su développer des civilisations. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous le joug de leur dictateur islamique qui les force et qui les manipule depuis le biberon à croire en des folies mensongères, destructrices, haineuses, antisémites. Et donc à partir du moment où Israël va prendre ses responsabilités politiques de rétablir sa souveraineté sur tous ses territoires et d'arrêter de fuir le problème et de fuir la guerre, parce que quand on fuit la guerre, on croit qu'on a une paix. Mais voilà, c'est comme Abraham qu'on a souligné ici. Abraham a fait cette alliance avec Abimelech, ça s'est retourné contre lui comme Dieu le dit. Tes enfants vont le payer, etc. à cause de cette alliance que tu as fait avec les Philistins. C'est-à-dire que dès qu'on fait une alliance et qu'on croit qu'on va nous laisser tranquilles, ça va les renforcer, ils vont venir encore plus puissants. Tous les jours, ils se renforcent. Quand on laisse le Hezbollah se développer au sud du Liban, quand on laisse le Fatah se développer en Judée-Samarie, quand on laisse le Hamas se développer à Gaza, ils ne sont pas en train de dormir, ils sont tous les jours en train de se renforcer, de construire des tunnels, de demander de l'aide financière, de développer des armes pour essayer encore et encore de détruire encore plus le juif sur sa terre. Parce qu'ils veulent combattre, ils veulent maintenir l'islam en vie. Or, tant qu'un juif est sur sa terre, ça veut dire que l'islam est faux. Et donc, ils ne peuvent pas supporter ça. Donc, la solution, c'est quand le gouvernement israélien va prendre ses responsabilités politiques.
de reconnaître officiellement que la solution à deux États est un mensonge politique entretenu par tous depuis des dizaines d'années, depuis 100 ans, depuis le départ du sionisme, et de reconnaître politiquement que le problème de fond est un problème religieux, et donc la solution, la seule, elle ne peut être que de source religieuse, c'est-à-dire la Torah. La Torah, elle a préconisé le grand Israël, donc il faut rétablir la souveraineté sur tous ces territoires. Donc Gaza, il ne faut pas faire une guerre et repartir. Parce que là, on envoie des soldats, on envoie nos enfants comme de la chair à canon et ils vont mourir comme en 2014 à l'opération Tsouketan. Tout ça pour même pas vouloir faire mal à l'ennemi. Tout ça pour le contenir un petit peu et ensuite repartir. Donc on sacrifie nos enfants pour rien. Pour rien. En 2014, des soldats sont morts pour rien. Le Hamas n'a fait que se renforcer. Et après, ils veulent des cessez-le-feu, etc. Tout ça, c'est de la manipulation. Tout ça, c'est notre naïveté parce qu'on n'a pas encore assumé notre rôle politique dans le monde et dans la région. Israël a le devoir d'aller, de rétablir la souveraineté sur Gaza, de rétablir la souveraineté sur le territoire en Judée-Samarie, sur le mont du Temple et de détruire ces pouvoirs islamiques qui embrigadent non seulement les Arabes, non seulement les Juifs, mais surtout les Arabes. Ça veut dire qu'on va sauver tous les peuples, pas que les Juifs. En faisant cette action militaire, on va rétablir la souveraineté dans ces territoires. On va sauver les peuples arabes eux-mêmes de ces folies meurtrières qui les détruisent, qui les empêchent de se développer, de s'épanouir en tant que peuple arabe. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ça la seule solution. Le grand Israël, c'est la solution au conflit. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a eu un sondage récemment que les Palestiniens, à 70%, étaient contre un État palestinien. Mais c'est évident, regardez, que la souveraineté israélienne, la souveraineté juive dans la région apporte l'équilibre, apporte la paix. Regardez en Israël comment il y a un vivre ensemble, comment malgré tous les problèmes, tout le monde a les mêmes droits, tout le monde est traité de la même manière. Et bien sûr, il y a toujours des problèmes par-ci par-là, mais de manière générale, par rapport en Judée-Samarie ou à Gaza, comment même un juif peut pas mettre les pieds. Un juif peut mettre les pieds. Donc la souveraineté israélienne, elle apporte l'équilibre, la paix, le développement économique, le développement de la région. Donc c'est logique. Plus on va réduire Israël, et plus le conflit va s'alimenter, va grossir, et plus les guerres vont se renforcer. Et plus Israël va étendre sa souveraineté, plus Israël, qui est petit aujourd'hui, va devenir le grand Israël, alors tous les peuples vont profiter du développement qui va aller avec. Développement politique, développement économique, développement social, développement moral. Tout le monde va avoir les mêmes droits, etc., etc. Il n'y a qu'en Israël que le vivre ensemble est possible. Alors maintenant, vous allez me dire, le problème de fond, il est où? Le problème de fond, et c'est même ce que la gauche rétorque à ce genre de solution, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité et il y a des millions d'Arabes qui vivent sur ces territoires. Bon, bien sûr, ils grossissent les chiffres, mais disons qu'à Gaza, il y a 1 million et demi d'Arabes aujourd'hui. En Judée-Samarie, il y en a allé 2 millions. Il y a déjà 1,5 million d'Arabes en Israël. Et donc, il te dit, si tu fais le grand Israël et que tu détruis les pouvoirs islamiques, tu récupères ces populations et tu les intègres à l'État, eh bien, tu vas avoir un État binational, tu ne vas plus avoir un État juif démographiquement parlant. Eh bien, si tu rassembles tous les Arabes, ils vont devenir presque même majoritaires. Et ça, c'est un grand danger aussi pour l'État juif de l'intérieur. Donc, bien évidemment, il faut faire le grand Israël avec intelligence. Il faut rappeler avant tout que cette terre, elle a été donnée au peuple juif, et que le sionisme, c'est avant tout un État juif. Et donc, il faut mettre en place des actions politiques pour, quoi qu'il arrive, conserver une majorité juive sur le territoire. Donc, comment faire? C'est très simple. Il y a plusieurs solutions. Déjà, la minorité arabe extrémiste, parce qu'il y a quand même, aujourd'hui, il faut savoir que quand on parle de minorité, parce qu'évidemment que pas tous les Arabes sont terroristes et extrémistes, il n'y a pas d'amalgame à faire, bien évidemment, mais ce n'est pas pertinent de le dire pourquoi. Parce que sur, disons, les 5 millions d'Arabes qu'il y a dans ces territoires, imaginons que 10%, sont terroristes. Ça fait combien? Ça fait 50 000. 50 000
ça fait 50 000 terroristes qui grouillent partout. 50 000, vous imaginez le danger tous les jours. Et en vérité, je pense que c'est plus. On peut aller jusqu'à même 20 voire 30% de musulmans islamisés, radicalisés dans les territoires de Judée-Samarie, etc. Donc, déjà, toute cette partie-là doit être chassée. Il n'y a pas de place à l'extrémisme, à l'islam. Il faut, c'est ce que la Torah elle a dit. Si tu veux les recevoir, ils doivent lâcher leurs croyances religieuses. Ils doivent lâcher leur islamisme fondamental. Il ne peut pas y avoir de vivre ensemble. Et là, je parle pour Israël, mais en vérité, c'est pour tous les pays, comme on le voit en France aujourd'hui, comme on le voit en Europe. Il n'y a pas de vivre ensemble possible avec l'islam. Il n'y a pas de vivre ensemble possible. L'islam, dans son essence, est en conflit directement avec notre façon de voir les choses, notre vision thoraïque, notre civilisation juive. L'islam est né en opposition avec le principe de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. L'islam, dans son essence, est en conflit avec nous. Dans son essence, vous comprenez ? Donc la seule condition pour que les Arabes vivent parmi nous, c'est qu'ils se laïcisent, c'est qu'ils oublient leurs croyances religieuses. Et il y en a plein. Il y a plein d'Arabes aujourd'hui chilonim. Comme chez nous, on a des chilonim, on a des religieux, des non-religieux. Même chez les Arabes, ça existe, des Arabes complètement laïcisés. Et d'ailleurs, c'est eux qui s'intègrent. Même en France, vous avez remarqué, ceux qui s'intègrent le mieux, ceux qui deviennent avocats, ceux qui deviennent médecins, ceux qui deviennent qui arrivent à avoir une certaine forme d'intégration, ce sont les Arabes les plus modérés, ce sont les Arabes les plus laïcisés. Dès qu'un Arabe est dans un ignan un peu religieux, il est islamisé, c'est fini. Sa croyance religieuse passe au-dessus de son appartenance nationale et encore plus à l'État sioniste, à l'État juif. Donc, les Arabes, s'ils se laïcisent, il n'y a aucun problème à les recevoir. Mais s'ils sont islamisés, il y a un conflit direct et on ne peut pas les accepter. Il faut un rapport de force. Il n'y a pas d'autre choix. C'est la seule solution. C'est ce que dit la Torah. Im asu tshuva tarashai le kablam. La seule condition pour laquelle tu pourras les faire vivre parmi toi, c'est s'ils font teshuva, s'ils abandonnent leur croyance religieuse. Il y avait le même problème à l'époque avec les sept peuples, les Cananéens, etc., qui étaient idolâtres. Et Dieu leur a dit, l'otechaye koneshama, tu ne les laisseras pas vivre parmi toi, à la seule condition qu'ils lâchent leur idolâtrie. Et bien aujourd'hui, c'est pareil. Tu ne peux les laisser vivre parmi toi, les Arabes, que s'ils lâchent leur croyance religieuse. C'est exactement le même problème. Et c'est la seule et unique solution. Il n'y en a pas d'autre. Tant que politiquement, on ne s'engagera pas dans ce sens, tant que politiquement, on ne fera pas cet éveil de conscience, jamais on n'arrivera à une solution sur ce conflit. Au contraire, les guerres vont faire que se renforcer et se renforcer. Comme on le voit, c'est même la volonté d'Hachem. Hachem, tant qu'il veut qu'on prenne ses positions politiques, tant qu'on ne le fait pas, comme l'a fait Abraham, vous imaginez, même Abraham, il a fauté dans ça. Abraham, il a fait l'alliance et Dieu l'a puni directement. Il a dit, tu crois que par cette alliance, tu crois que les alliances que tu signes avec les Émirats Arabes Unis, les alliances que tu signes avec les Palestiniens, les accords d'Oslo, c'est la pire des catastrophes, c'est interdit par la Torah. Alors, tu as des bonnes intentions, c'est par amour, c'est pour te protéger, c'est pour faire la paix. Mais en vérité, tu n'as pas compris, ce n'est pas ça le fond du problème. Donc, ta solution, elle n'est pas adaptée, elle ne va pas amener la paix, elle va détruire la région encore plus, elle va amener la guerre encore plus. Tu vas renforcer leurs croyances religieuses fondamentales, fondamentalistes. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai défi, un enjeu politique pour Israël. Et à travers Israël, c'est le monde entier. Parce qu'il faut savoir que la lutte contre cet islamisme fondamental, c'est Israël qui doit la mener. Israël, c'est la nation d'Israël qui a la responsabilité universelle de combattre ce fondamentalisme. Comme il y a écrit le Mashiach, un des rôles principaux du Mashiach, c'est de combattre les fausses religions. Il y a écrit dans le Rambam, dans l'Ichot Melachot, dans son Mishneh Torah, il écrit là-bas, un des rôles du Mashiach, c'est quoi? Les Harim et Data Emet, c'est d'élever la vraie religion, la seule, l'unique, la Torah. Il n'y a pas d'autre religion. Il faut arrêter de parler de trois monothéismes, des trois religions, etc. Chacun il a son droit fondamental à la religion. Ce sont des religions mensongères. Le christianisme et l'islam ont été des religions destructrices, ont été des religions meurtrières, ont été des religions prosélytes, ont été des religions impérialistes. Parce que ce sont des religions fausses, créées par l'homme, créées par la haine de l'homme. Et ce sont des religions qui ne viennent pas de Dieu. Donc arrêtez de parler au nom de Dieu quand on parle d'islam et de christianisme. Dieu n'est pas concerné par l'islam ou par le christianisme. Dieu n'a jamais créé l'islam ou le christianisme, jamais.
Jamais, jamais, ce sont des fausses religions. Dieu, il a contracté une seule et unique alliance, c'est avec Avraham Avinu, c'est avec Moshe Rabbeinu. Il a donné les 10 commandements au Mont Sinaï, il a donné la Torah. Et la Torah, c'est le modèle fondamental. C'est un modèle d'amour, c'est un modèle d'acceptation, d'égalité, de morale, de justice. Ce n'est pas un modèle prosélyte. On n'a jamais fait, la Torah ne prône pas de guerre de conversion, la Torah ne prône pas de haine, la Torah ne prône pas d'impérialisme, la Torah elle te dit, elle te force pas à convertir les gens, la Torah elle te force, il y a le libre, elle respecte le libre arbitre. La Torah c'est le modèle fondamental, il n'y a pas d'autre religion, faut le dire aujourd'hui, il n'y a pas. Il faut faire tomber le Mashiach et le Rambam me dit le rôle fondamental c'est d'élever et de faire connaître au monde la seule et unique, la vraie religion, le judaïsme, c'est tout. Tout le reste doit tomber. Le Mashiach doit combattre l'islam, doit combattre le christianisme. Il n'y a pas, ce n'est pas possible. Donc la seule solution, elle est ici, Bezrat Hashem. Donc nous on s'engage dans ce sens, dans notre force politique qu'on est en train de monter. On s'engage dans ce sens pour essayer d'élever cette vérité au niveau politique. Donc tous ceux, je rappelle, tous ceux qui veulent, qui croient en ces idées politiques, qui s'identifient à nos idées politiques, qui cliquent sur le lien qui est dans le titre de la vidéo pour rejoindre notre force électorale qu'on est en train de monter au sein de la politique israélienne. En Israël, on est en train de faire monter ces vérités politiques, Bezrat Hashem, petit à petit. Chaque jour, c'est un combat. Et donc si vous voulez en savoir plus pour rejoindre notre force électorale, n'hésitez pas, cliquez sur le lien. Prenez votre courage à deux mains, cliquez sur le lien et il n'y a aucun engagement, c'est juste, je vais vous contacter Bezrat Hashem pour vous en parler plus en détail du projet politique qu'on mène, de la force électorale qu'on est en train de créer avec toutes ces idées Bezrat Hashem. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien pour rejoindre la force électorale et remplissez le formulaire qu'il y a dans le titre de la vidéo. Donc voilà, Bezrat Hashem, on peut répondre à quelques questions s'il le faut. Donc je vois Sarah Manina, mais David, tu peux pas dire ça à un musulman ou à un chrétien. Mais si, justement Sarah, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, les musulmans et les chrétiens sont eux-mêmes embrigadés, je dis bien le mot, par leur propre religion. Il faut leur faire prendre conscience que toute leur religion est basée sur un grand mensonge. Il faut leur faire prendre conscience parce que, il faut prendre une perspective historique. Vous comprenez, aujourd'hui, un chrétien musulman, il vit sa religion au quotidien, dans son quotidien actuel. Il n'a pas les perspectives historiques. Il faut lui ouvrir des portes de compréhension. Parce qu'en vérité, il faut comprendre que ce ne sont pas des religions qui ont été créées par Dieu. Donc, elles ne sont pas internes, alors que ce sont des religions externes, extérieures à leur nature. Dieu les a créées en tant que peuple. Et leur destinée, c'est de devenir des chassidou mota'olim, c'est de devenir des non-juifs qui ont des mitzvot sur la Torah, qu'on appelle les Sheva Mitzvot Bene Noir, qui doivent faire les sept lois noachid. Il y a un code de loi pour les non-juifs sur la Torah. Le seul et unique rôle pour un non-juif aujourd'hui, c'est de s'attacher à la Torah, au modèle de la Torah pour lui, pour les non-juifs. C'est-à-dire de devenir un Ben Noir. Et c'est ça le rôle d'un non-juif aujourd'hui. Et pour le faire, il doit quitter sa croyance en Jésus, il doit quitter sa croyance en Mahomet, il doit quitter sa croyance en ces mensonges qui sont nés sur ce concept de la nouvelle alliance, alors qu'on voit aujourd'hui que cette nouvelle alliance est un grand mensonge. Jamais Hachem n'a abandonné son peuple. Il faut le savoir, chrétien, musulman, jamais Hachem n'a abandonné son peuple. Et la preuve aujourd'hui, on est la preuve vivante, c'est que la nation d'Israël est en train de renaître. Et donc les religions chrétiennes et musulmanes sont des religions mensongères. Ils ont été manipulés par des politiques, parce qu'il y avait des intérêts politiques, bien sûr, derrière toutes ces créations de religions. Parce que vous croyez quoi? C'est qui a instauré le christianisme? C'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain pour asseoir son pouvoir politique impérialiste. Ils ont développé la religion, parce que la religion, c'est ce qui permet d'asseoir le politique. Toujours les religieux et les politiques ont été ensemble dans l'histoire. Les curés travaillaient pour les rois et inversement. Donc, il faut aujourd'hui dire ce message de vérité. Il n'y a plus de pincettes à prendre. Il faut dire ce message de vérité. Il n'y a plus de pincettes à prendre et de messages faussement humanistes, faussement tolérants, progressistes, etc. Il y a trois religions, chacun a son droit fondamental à la religion. Pas du tout. Les religions, toutes les religions ont été créées par l'homme. L'islam, le christianisme, le bouddhisme, ce sont des religions fondamentalistes terribles qui ont amené que des catastrophes au monde, et qui continuent encore à amener des catastrophes au monde.
parce que ce ne sont pas des vraies religions. La seule et unique vraie religion, c'est la Torah. Et un non-juif aujourd'hui doit s'attacher au modèle de la Torah en tant que non-juif. Et un juif, il doit s'attacher au modèle de la Torah. La Torah, c'est le modèle fondamental de l'humanité. Et il n'y a aucun doute possible là-dessus, aucune discussion possible là-dessus. Comprenez ? Il faut dire ce message de vérité. Et en vérité, ça va être, c'est tellement un message d'amour, tellement un message de vérité, que ça va libérer les non-juifs eux-mêmes de leurs fausses croyances. Ça va les libérer, ça va leur amener leur paix dans leur cœur, ça va amener leur apaisement. Parce qu'au fond d'eux, ce sont des religions qui ne les apaisent pas, qui les rendent mauvais, qui les rendent méchants, qui les rendent haineux, qui les rendent intolérants. Le christianisme, l'islam aujourd'hui, on voit tous les dégâts qu'il fait, mais à l'époque, le christianisme aussi. S'il y avait un savant qui disait que la terre était ronde et pas plate, on lui coupait les mains et on lui coupait la langue. Donc c'était ça, le fondamentalisme religieux est né à cause de ces fausses religions. Dans la Torah, il n'y a jamais eu de fondamentalisme, il n'y a jamais eu d'extrémisme. Alors bien sûr que même dans la Torah, il y a quelques dérives, il y a des ultra-orthodoxes, intolérants, etc. Mais vous n'avez jamais vu un ultra-orthodoxe, même le plus haredi, se faire sauter au nom de Moshe Rabbeinu, ou faire des guerres de conquête, ou prôner qu'il faut rendre le monde entier juif. Ça n'existe pas chez nous. Parce que c'est ça, la Torah, c'est le vrai modèle. C'est un modèle d'amour, un modèle de tolérance, un modèle où chacun a sa place, un modèle où chacun a son rôle et tout le monde est complémentaire. Et c'est le modèle fondamental que Dieu l'a donné à Moshe Rabbeinu et au peuple juif, et par le peuple juif, au monde entier. Parce que le peuple juif est un vecteur et un messager universel pour le monde. Et donc, il faut dire cette vérité. Très bonne question. Donc, Rachel Brigitte Itcha. Vous n'avez pas expliqué pourquoi Dieu a demandé à Abraham de tuer son fils. Donc, c'est ce que j'ai expliqué, c'est que Abraham, c'est ce qu'il a dit, tu t'es enorgueilli du fils que je t'ai donné. Nidga ita ba ben shenatati lecha. Tu t'es, parce que Abraham, il a voulu protéger son fils par cette alliance. Alors là, on connaît la justice divine, comment elle marche, selon le principe de mida keneged mida, mesure pour mesure. La justice divine, en vérité, quand on la comprend, elle est parfaite. Dans le bien comme dans le moins bien, elle est parfaite. Et donc, il dit à Abraham, tu as voulu protéger ton fils par cette alliance, va le sacrifier. Mida keneged mida. Tu dois prendre conscience que c'est moi le vrai protecteur de ton fils, donc va le sacrifier. C'est pour ça que Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils, c'est la vraie raison. Mida keneged mida, il a voulu protéger son fils par cette alliance. Dieu lui a dit, va le sacrifier, parce que c'est moi ton vrai protecteur. T'as pas compris, t'as oublié que c'était moi ton vrai protecteur et le vrai protecteur de ton fils. Donc voilà. Bien évidemment, il faut se rappeler le principe fondamental. Si Abraham il est puni aussi durement, c'est parce que c'est un très très grand sadique. Dieu il est très pointueux en fonction du niveau. C'est-à-dire que si nous, on faute, on ne sera pas puni comme ça, bien évidemment. Parce que nous, on n'est pas au niveau d'Abraham Avinu. Donc la punition est au niveau aussi de la faute, comme on l'avait avec Moshe Rabbeinu. Quand il a frappé le rocher, pour une toute petite faute, il a été interdit de rentrer en Eretz Israël. Ça paraît injuste, mais en vérité, c'est en fonction du niveau. Parce que ce sont des gens avec un tel niveau que Dieu, il est plus intransigeant avec eux. C'est comme nous, avec nos enfants. Souvent, on a l'aîné ou le fils qu'on aime le plus. On veut être le plus intransigeant avec lui parce qu'on veut le mieux pour lui. Et bien pareil, Dieu, il le punit aussi durement. Il lui dit, va sacrifier ton fils parce que tu as fait une erreur de jugement ici. Tu as manqué de Emouna envers moi. Et donc, à ton niveau, c'est très grave. À ton niveau, toi, Avraham Avinu, voilà. Donc je vois Nat de Sion, c'est vous qui devez prendre conscience de la vérité de Yeshua. Encore une fois, je vous rappelle que le concept de Jésus, de nouveau prophète, de nouvelle alliance, de nouveau testament, n'existe pas. Comprenez, ça n'existe pas. Et il faut que vous compreniez, Hachem n'a jamais envoyé de nouveaux prophètes pour faire de nouvelles alliances. Hachem, il a fait une alliance éternelle. Vous croyez que Dieu peut se tromper? Franchement, vous croyez que Dieu peut se tromper? Il fait une alliance, après il change d'avis et il fait des nouveaux livres avec des nouvelles choses, des nouveaux principes, des nouvelles alliances. Il envoie des nouvelles personnes, ça n'existe pas. Vous vous êtes fait manipuler, c'est un grand mensonge, vous ne comprenez pas encore. Il faut comprendre, c'est avec amour que je vous dis ça. Avec amour, il faut comprendre qu'il n'y a jamais eu de nouvelle alliance. Dieu n'a jamais envoyé de nouveaux prophètes pour faire de nouvelles alliances. Il y a eu une coupure. Attendez, juste, excusez-moi, je reviens dans une minute.
Voilà, excusez-moi, il y a des coupures d'électricité à cause de l'orage qu'il y a. Donc voilà, il faut comprendre que ce principe de la nouvelle alliance, comme quoi Hachem aurait abandonné son peuple parce que le peuple juif a été envoyé en diaspora, c'est un mensonge. La diaspora n'a jamais prouvé et légitimisé que Dieu a abandonné son peuple et qu'il aurait voulu contracter une nouvelle alliance avec Jésus ou avec Mahomet. Ce sont des mensonges et vous êtes fait manipuler. Oui, il y a eu un très grand éclair. Moi-même, j'ai été surpris. Il y a eu une coupure d'électricité, un très grand éclair, ça a explosé dehors. Ouais, c'était surprenant. Pile quand. Bon, bref. Voilà, donc s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me dire. Donc, je résume pour finir. Il y a une seule solution au conflit israélo-palestinien. Et donc, par là même, quand on va solutionner ça, ça va être une solution pour tous les conflits du monde entier. C'est quand la Torah va devenir le modèle fondamental en Eretz Israël, que la terre d'Israël, le gouvernement israélien va prendre ses responsabilités de mettre les bons termes et d'analyser la racine du problème du conflit qui est religieux et non territorial, et donc d'appliquer la solution du grand Israël qui va être la seule solution pour la paix, pour le bonheur de tous les peuples, que pas que pour le peuple juif. Comme je dis à chaque fois, quand on va récupérer le mont du Temple et qu'on va reconstruire le Beth Amikdash à la place de la mosquée, ça va amener la paix et pas la guerre. Les gens y croient que quand on va reconstruire le Beth Amikdash, ça va amener la guerre. La guerre mondiale. Là, si tu vas détruire la mosquée et que tu vas reconstruire le Temple, ça va amener la guerre mondiale. Alors c'est tout à fait le contraire. Ils ne se rendent pas compte que c'est en laissant la mosquée sur le mont du Temple et c'est en laissant cet endroit sous domination ennemie et musulmane qu'on renforce la guerre sur nous et on renforce le conflit sur nous. C'est tout à fait le contraire. La guerre mondiale, elle vient parce qu'on laisse ces terres-là à nos ennemis. C'est en récupérant ces terres et en appliquant la souveraineté juive sur ces terres qu'on va combattre la guerre, qu'on va combattre le mal et combattre les ennemis et qu'on va renforcer la paix. C'est tout à fait le contraire. La paix ne vient que quand Israël va étendre sa souveraineté au maximum. Plus Israël va étendre sa souveraineté, plus ça va renforcer la paix. C'est comme ça. Peut-être que ça paraît illogique pour certains, je peux le comprendre. Peut-être que pour certains, pour avoir la paix, faut négocier, il faut être gentil, il faut discuter, il faut être diplomate, etc. Comme Avraham Avinu l'a fait avec Avimelech finalement. Même Avraham Avinu, il a pas eu ce discernement. Peut-être même lui aussi, il a fauté à ce niveau-là. Alors qu'en vérité, la vraie logique, c'est que plus tu discutes avec eux, plus tu les renforces. Eux, ils ne veulent pas discuter. Eux, ils ne veulent pas négocier. Eux, ils sont en conflit religieux extrême avec toi. Ils ne veulent pas un seul juif qui habite sa terre parce qu'ils s'en foutent de Hebron, de Gaza. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas un juif sur cette terre. Ils veulent Judenrein. Ils veulent virer tous les juifs de cette terre et ils veulent que le juif reste au Maroc, reste en Pologne, reste en Algérie, reste en diaspora, comme un bon juif de diaspora qui justifie donc que Hachem nous aurait bien abandonnés. Et donc, l'islam est vrai et que le christianisme est vrai. Tant qu'un juif est en diaspora, ils sont très contents. Regardez l'Iran. Il y a une communauté juive qui se développe là-bas, qui est très heureuse. Il y a 20 000 juifs en Iran, mais c'est complètement paradoxal. Ils sont anti-sionistes. Tous les jours, ils appellent à la destruction de l'État d'Israël. Et pourtant, il y a des juifs qui vivent très bien là-bas. Parce que c'est ça le modèle fondamental, le problème fondamental. Ce n'est pas le juif leur problème. Et au contraire, un juif de diaspora, ils adorent ça. Restez chez nous. Restez dans notre pays. Restez dans notre pays, venez en Iran, venez au Maroc, venez, on était bien au Maroc ensemble, on s'entendait bien, en vérité, on était sous leur domination, puisqu'on payait la dîme, on payait l'impôt. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est combattre la souveraineté. Ils veulent pas qu'un juif reconstruise son État, ils veulent pas qu'un juif reconstruise sa terre, parce que c'est ça le modèle fondamental de Dieu, c'est la Torah, la terre d'Israël, le peuple juif. Et tout ça, c'est un combat contre qui est la vraie religion et qui représente Dieu sur terre. C'est ça le fond du conflit. Et tant qu'on n'aura pas assumé ça politiquement parlant, je ne parle pas que de quand dans les synagogues, ce serait déjà bien qu'on en parle dans les synagogues et dans les yeshivot, qu'on politise un peu les discours, parce que c'est bien la religion, etc. Faut être gentil, faut être mignon, faut travailler ses midot, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi que la Torah, elle amène des solutions politiques et que la Torah, elle devienne un modèle fondamental pour l'humanité dans tous les domaines. Donc ce serait déjà une bonne étape que dans les synagogues et les chivotes, on commence à parler de ces sujets. Mais ce serait encore mieux si c'est au niveau du gouvernement, au niveau politique, qu'on commence à assumer ces choses-là et toutes ces idées-là. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est la seule et unique solution, Bezrat Hashem.
David, même les rabbins de diaspora ne nous poussent pas à partir. Malheureusement, c'est une réalité terrible. C'est l'effet de la diaspora. L'effet de la diaspora juive. Ça fait 2000 ans qu'on a vécu en dehors de nos terres et donc on a oublié le modèle national et politique de la Torah, qui est le modèle fondamental de la Torah. La Torah a été donnée pour être un modèle de société, pour être un modèle politique, pour être un modèle national, et pour gérer l'économie, pour gérer le juridique, pour gérer... Il suffit d'ouvrir le Talmud et s'en rendre compte. En une seconde, on se rend compte que c'est un code civil, le Talmud. Donc ça fait 2000 ans qu'on vit la Torah comme si c'était une religion. Comme si c'était une religion. Et la Torah nous parle de ce problème, Sarah. La Torah nous parle de ce problème. Ça s'appelle les explorateurs. Les Meraglim, on a fait des cours là-dessus. C'est que les explorateurs, c'était les rabbins de l'époque. C'était pas... Quand la Torah elle dit les explorateurs n'ont pas voulu rentrer en Israël, ils ont craché sur la terre d'Israël, ils ont voulu rester dans le désert. C'était pourquoi? Pourquoi c'était à ton avis? Pourquoi ils ont voulu rester dans le désert? Pourquoi ils ont incité tout le peuple juif à rester dans le désert? Alors c'était les chefs de tribu. C'était les rabbins de l'époque. C'était les chefs de tribu à l'époque de Moshe. Donc c'était les mêmes, les tzadikim. C'est Rashi qui nous dit que c'était des tzadikim. Pourquoi ils ont allé contre Dieu? Pourquoi ils n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël? Parce qu'ils ont voulu rester dans le côté religieux de la Torah. Ils ont voulu rester dans le côté spirituel de la Torah. Ça ne les intéresse pas. Le combat politique est trop dangereux. Le combat politique est trop risqué. On ne veut pas sortir de sa zone de confort, tu comprends? On ne veut pas sortir de sa zone de confort quand on est tranquille. Voilà, à Paris, à Lyon, à New York, on a sa petite yeshiva, sa petite synagogue. On va prier 3 fois par jour. On va prier le matin. On va faire son petite étude de Gemara, son petit café. On est tranquille. Qu'est-ce que maintenant on va venir en Israël et avoir passé dans une transition de modèle au niveau toraïque d'un modèle uniquement religieux où on est tranquille, on n'a pas de combat vraiment à faire. Le combat, il est uniquement spirituel, individuel pour Dieu. Et maintenant, on a un combat en Israël alors qu'on a un combat politique à mener, un combat collectif à mener, un combat national à mener. J'ai pas envie de ça. La Torah nous a parlé de ce problème déjà. La Torah est un modèle fondamental. Et la Torah l'a dit, les Meraglim n'ont pas voulu rentrer en Israël pour garder leur kavod, leur place, leur pouvoir, leurs intérêts. Et ils inventent, ils ont manipulé le peuple juif. Ils l'ont incité à rester dans le désert. Ils l'ont incité à rester dans le désert en disant, voilà, ils ont inventé toutes sortes d'idéologies, la terre d'Israël n'est pas bonne, elle vomit ses habitants, etc. Toutes ces idéologies inventées, oui, il ne faut pas venir en Israël, c'est un état laïque, c'est chiloni, nana, et de peur de fauter. Ils te sortent toutes les idéologies possibles pour justifier qu'en fait, ils n'ont pas envie de venir parce qu'ils ont leurs intérêts en Hous-Laharetz, ils ont leurs intérêts économiques, financiers, au niveau du statut, du kavod, ils ont tout construit en galoute, en diaspora, et donc ils n'ont pas envie de venir. Parce qu'en Israël, ça implique de changer de modèle de Torah. Et ça, c'est très, très difficile pour beaucoup de monde. Voilà, donc merci à tous. Bezrat Hashem, qu'on se renforce de plus en plus dans ces idées, qu'on les diffuse. Je compte sur chacun d'entre vous, Bezrat Hashem, pour essayer de convaincre un maximum de gens, pour essayer de nous rejoindre, de nous soutenir encore plus poétiquement, de venir rejoindre notre force électorale. Je répète, pour ceux qui sont intéressés, pour amener ces changements Bezrat Hashem et qu'on va battre on va se battre dans ce sens-là au niveau politique en Israël, pour amener la Torah au niveau de la politique en Israël. Cliquez sur le bouton qui est dans le titre de la vidéo, dans le lien, pour remplir le formulaire. Je vais vous contacter pour vous donner plus de détails. Comment rejoindre notre force électorale? Ah bah voilà. À très bientôt, c'est des grosses coupures en ce moment. À très bientôt, merci.